aujourd'hui, comme vous voyez, il y a un banc de neige, mais c'est tout ce qui reste à Québec. Je suis, vous voyez la tête des ponts juste ici en arrière, bien, c'est très petit. On est rendu à Québec. Fait que vous avez Ottawa, Montréal, Québec dans cette journée. Oh, j'ai l'impression de me lever dans du connu. On est à Ottawa, il fait très beau ce matin. Wow. Bonne journée tout le monde! Hey, c'est-tu le fun de se lever de bonne heure le matin? On s'en va à l'entrepôt U-Haul de Gatineau. Wow! Wow! Mais vous l'a rendu au U-Haul. Hey! Que c'est beau un matin! Grosse journée, encore vider le trailer pour décider ce qui reste à Ottawa, ce qui va en Gaspésie pour la business. Oh. Deuxième matin à Ottawa. Encore du beau temps, toujours au même endroit. Avec les nouvelles d'hier, on n'a pas le choix. On s'en va vers Montréal aujourd'hui. Bonne journée tout le monde! Bon, nous voici donc rendus à la province de Québec. Première annonce, le couvre-feu. Bienvenue au Québec. Ouais. On va se le dire, ça fait bizarre en revenir au Québec. Habituellement, je suis toujours extrêmement content de rentrer dans ma province et tout ça. Mais là, présentement, de la manière que ça s'enligne, je m'en vais, j'arrête à Montréal, j'ai de quoi faire, mais après ça, je m'en vais à Québec City, la ville de Québec. Et là, la ville de Québec, on a plusieurs sortes de rouges. Là, c'est pas un rouge pinot noir, c'est plutôt un rouge Shiraz, là, un rouge beurré, presque noir. Je ne vais pas en Gaspésie, à moins qu'il y ait de quoi de change. Donc, j'arrive en zone qui à 8 heures, il n'y a plus rien qui bouge. Très tranquille, pas de changement de zone. Mais la température est magnifique. Il annonce 2-3 jours de beau temps encore. Si j'aurais été en Gaspésie, j'aurais une ride, une stretch de la Colombie-Britannique jusqu'en Gaspésie. Pratiquement pas une goutte de pluie. Là. Ça avait été. Début avril, je vous dirais que c'est une belle slot pour traverser le Canada. Anyway, on continue la route. On est maintenant dans la province de Québec. Là, je vous amène sur Saint-Laurent, à Montréal, à une boutique que c'est les retours d'Amazon qui vendent. Ils achètent tout ce qu'Amazon reçoit en retour. Il la jette à prix modique, puis c'est un gros bazar avec tout le stock Amazon neuf, mais c'est des retours qui placent là. Donc, on est à liquidation Amazon sur Saint-Laurent. Mais jeudi, pour venir là. C'est bon. Ça donne une idée des robes. Il y a de tout ça. Il fait encore beau. On est à Montréal. Allez, regardez-moi la température. Il annonce que du beau temps. On se met en route pour le prochain step. Québec. En route pour Québec, je vais arrêter à Trois-Rivières parce que, on va se le dire, à Québec, tu peux juste acheter de l'épicerie et de la pharmacie. Tu peux rien acheter d'autre. C'est fermé comme un bocal. C'est zone rouge très foncée. Donc, je suis sur la 40 en route. J'arrive à Trois-Rivières. Je vais faire mes commissions avant de rentrer à Québec. Ça fait bizarre. Moi, il dit à Trois-Rivières, il n'y a pas encore de neige. Moi, je ne verrais pas un brin de neige. Ce qui ferait bien mon affaire.
On s'en va donc, Walmart Canadian Tower, dollar à bas et tout, avant de pouvoir juste s'acheter de la bouffe, des pelules. Bon, ben après 4 mois, me v'là rendu à Québec, en mon route. On a les deux ponts. Wow. Ça fait bizarre. Hey, du beau temps. Je vois pas un brin de neige. C'était le bon temps pour revenir. Wow. Ouais, ben. Rendu à Québec, à soir, on couche en arrière d'un IGA Extra. C'est la fin de la saga pour se rendre à Québec. Les 3 dernières journées, je les ai toutes mises dans le même épisode parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et il ne faut plus que je bouge à partir de 8 heures ce soir. C'est pas que d'habitude je bouge beaucoup, mais juste le fait, et ils ont mis des pancartes de no parking partout pour éviter les Costco, les Canadian Tower, tout. Il y a des nœuds au parking à peu près partout pour la nuit. C'est assez incroyable. Là-dessus, on se revoit demain. Ciao, bye!